tous et à tous, ouais, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Ouh là, il se passe quoi sur mon springboard là? Ouh, waouh, ok, un petit bug. Ouais, ok. J'ai un océan sur mon iPad ou quoi? Regardez ça. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. Non, je rigole, c'est un tweak en fait. C'est Aquaboard gratuit sur la source de Xarold, je crois. Donc, j'ai encore changé mon thème. Ce thème c'est Elite 7. Il est gratuit sur la source de Xarold, je crois. Ou alors sur la source de Big Boss. Bon, par contre, si là il voulait bien se dépêcher, ça serait pas de refus non plus. Merci. Donc j'ai encore mis un nouveau thème, j'ai encore mis des nouvelles icônes, il y a encore plein de trucs que j'ai encore modifiés. Enfin bref, ce tweak c'est Aquaboard, on le retrouve donc sur la source de Bite Your Apple. Je suppose que si vous avez déjà vu mes vidéos, vous l'avez déjà, ou alors si vous avez déjà passé, nickel. Vous faites juste installer, donc la source je vous la mettrai dans la description, c'est... bon, je vous la montre quand même. repo.byteyourapple.net/. Wow, j'aimerais bien faire ma vidéo en bas, merci. Voilà, vous ferez ajouter la source et puis vous aurez Aquaboard. Ça va directement vous demander de faire un respring et puis ben vous aurez ça. Donc on voit encore le petit icône de Elite dans le fond, ce qui est très très joli. Vous voyez que c'est vraiment un thème complet, hein. Enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus. Aquaboard, c'est ici, et ici, ben, vous pouvez définir où vous voulez. Par exemple, là, je veux des petites bulles. Ben, avec ce que j'ai mis, regardez, ça fera vraiment des toutes petites bulles. Et surtout que ça ira au ralenti, donc c'est un peu chiant. Donc on met 20, par exemple, maintenant, et regardez ce que ça donne. C'est pas génial, mais bon, moi je mets, voilà. Ensuite, bah, vous faites Enable, donc si je ne veux pas sur le Home Screen, vous verrez qu'il n'y a rien du tout sur mon Home Screen. Alors que je le mets, bah il y aura quelque chose de Lock Screen. Il y aura quelque chose sur le Lock Screen. Désolé si vous entendez, c'est ton lit parce qu'il fait froid aujourd'hui. Voilà, donc je remets pour que vous entendez le bruit. Désolé pour la petite attente. Ensuite, vous avez les aquathèmes. Ça va vous permettre de choisir un thème. Par exemple, le dernier, ici. Regardez ce qu'il nous propose. De vraiment faire juste dans le petit territoire, ici. Puis ça allait... Bon, ce qui est assez génial, c'est que ça passe pas sur les icônes. Ça passe vraiment juste sur le petit bout. Ensuite, on a le EVTAP. Je sais pas ce que ça... Ah bah voilà. Ça tremble comme l'eau en fait. Ensuite, on a le Abris Artist. Enfin voilà, je vais essayer les essayer. Moi j'aime bien celui-là, je crois. Oui. Oui, c'est ça. Ça fait continu du doigt en fait. Voilà, moi j'aime bien celle-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Aquaboard, gratuite sur la source de Bite Your Apple, que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut !